Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un limiteur de vitesse sur une Ford Ka. C'est très simple. Vous avez donc ici un pad avec donc un bouton on/off. Lorsque vous appuyez donc sur ce bouton ou sur ce bouton, vous allez pouvoir mettre en route ou éteindre le limiteur de vitesse. Une fois que vous avez appuyé donc ici, vous avez donc votre limiteur qui s'affiche donc sur votre tableau de bord et vous utilisez ici donc le plus et le moins pour pouvoir mettre donc la vitesse souhaitée sur votre tableau de bord. Une fois que vous avez réglé, par exemple là on va se limiter à 60 km/h, votre voiture va fonctionner normalement, vous passerez les vitesses normalement jusqu'à 60 km/h. Au-delà de 60 km/h, votre voiture n'ira pas puisque vous l'avez limité. Si jamais vous souhaitez donc faire une pause sur ce limiteur de vitesse, vous appuyez ici sur ce petit bouton et lorsque vous avez fait ça, votre vitesse est barré. Et une fois que vous rappuyez à nouveau sur le petit bouton qui est ici, votre vitesse est à nouveau en ligne, c'est-à-dire que vous êtes passé du mode pause au mode en route. Et si jamais vous voulez le couper complètement, et bien vous appuyez sur le bouton off. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.